Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner. Et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre Zoé et moi, que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner, évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi. Vous avez également nos petits posts tous les jours sur Instagram. Et qu'est-ce que j'oublie? Le live du mardi soir de 9h à 10h30. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois de décembre. Tout d'abord, bon anniversaire. Et puis, j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous. Vous allez voir. On ne va pas parler de votre soleil, mais plutôt de l'arrivée, parce que c'est très important, de Jupiter, votre planète maîtresse, et de Saturne en Verseau, aux alentours du 20, mais bien évidemment, vous les sentirez avant parce que c'est des grosses planètes. Donc, qu'est-ce qui peut vous arriver de mieux? Eh bien, c'est justement cette combinaison de signes dans un secteur qui peut vous permettre de, d'ajouter une corde à votre arc, de développer vos affaires, d'être d'acquérir de nouvelles connaissances. C'est vraiment une année l'année qui arrive pour vous, en tout cas, une année de développement et de développement avec des racines solides. Alors peut-être vous allez écrire une thèse, vous allez écrire un livre qui va avoir de l'importance, peut-être que vous allez faire parler de vous, d'une manière ou d'une autre. Avec Jupiter, on fait parler de soi, même dans un entourage restreint, mais on fait parler de soi. C'est vraiment une très bonne configuration, en tout cas là pour le premier décan, mais ça va l'être aussi. Alors le deuxième et le troisième n'auront pas Saturne à leur côté, mais bon, Jupiter va énormément vous aider à peut-être à agrandir votre clientèle ou à agrandir votre réseau professionnel. En tout cas, franchement, là, vous allez au devant d'une super période. On continue avec Mercure, votre planète d'échange. Elle se trouve dans votre signe aussi jusqu'au 20. Donc, je pense que vous aurez toute liberté pour vous exprimer, pour exprimer vos opinions et vous ne vous gênerez pas. Vous serez vraiment franc du collier. Vous direz même des choses que parfois vous aurez tendance à exagérer un peu, vous savez bien. Mercure chez vous, elle est chez Jupiter, votre planète maîtresse, donc qui est un super amplificateur, et donc voilà, vous parlerez parfois un peu trop, vous pourriez vous montrer même légèrement indiscret. Ce ne sera pas du tout le cas après le 20 avec Mercure en Capricorne, vous serez obligé de restreindre votre parole, de restreindre peut-être même vos activités commerciales. Il y a quelque chose qui semble être aller un peu moins vite, mais bon, Mercure passe très très vite. Elle une journée, ça dure. Donc s'il y a une restriction, ce sera une journée. Étant donné que quand même au même moment, Jupiter et Saturne rentrent en Verseau. Donc ça, si vous voulez, sont deux astres qui sont quand même qui ont plus de poids que Mercure. Mercure, c'est toujours très léger, c'est des détails, à chaque fois. Moi, peut-être que je vous en dis que j'exagère ce que je vous dis, mais avec Mercure, c'est toujours du détail, c'est jamais quelque chose de vraiment très important, ou alors il faut qu'elle soit rétrograde sur une planète importante de votre thème. Bon, mais c'est pas le cas. Pour l'instant, elle avance très vite et il n'y a pas vraiment de soucis. On en vient à Vénus, votre planète d'amour. Alors, elle est en scorpion.
Elle est dans votre 12e signe jusqu'au 15. Donc des amours un petit peu en arrière, hein, en retrait. Bon, des amours secrètes peut-être pour certains, hein, mais en tout cas, vous n'exprimerez pas tellement vos sentiments sous cette conjoncture qui durera un jour ou deux pour chacun. Alors vous aurez l'impression tout d'un coup peut-être d'être moins amoureux ou que l'autre vous aime moins, mais à mon avis, ce sera vraiment que de l'impression, hein, des sensations. Ça ne sera pas basé sur quelque chose de concret. Parce que tout ce qui est en 12 n'est pas toujours concret. C'est du domaine de l'imaginaire, du domaine de quelque chose qui est un peu rêvé. Après le 15, Vénus sera chez vous. Heureux, chanceux, vénard, hein, dans la mesure où elle va un petit peu ouvrir le chemin à Jupiter et Saturne. Donc, il est très possible que les célibataires, en tout cas, fassent une rencontre ou tombent amoureux de quelqu'un qu'ils viennent tout juste de rencontrer, peut-être sur un réseau social, c'est possible. En tout cas, bon, il y a de l'amour dans l'air et ceux qui sont en couple seront d'autant plus en harmonie que les deux autres planètes du Verseau vont accentuer la complicité que vous pouvez avoir avec votre partenaire. On en vient à Mars, planète de vos énergies. Elle est extrêmement bien placée, elle aussi. Elle est toujours en Bélier, hein, comme depuis la fin juin, vous imaginez. Et bon, elle vous permet d'entreprendre et elle ne reçoit aucune dissonance ce mois-ci. Donc, franchement, si vous êtes du fin du deuxième et surtout du troisième décan, vous allez pouvoir entreprendre, avoir une volonté de faire, vous serez extrêmement ferme, hein, parfois même un petit peu coupant, hein, avec ceux qui vous entourent ou ceux avec qui vous travaillez, mais votre énergie ne pourra s'exprimer vraiment que dans quelque chose de créatif, dans quelque chose que vous allez démarrer, mettre sur des rails, vraiment, et dont vous serez fier finalement. Hein, plus vous avancerez et plus vous rendrez compte que ce que vous faites plaît et vous permet de vous mettre en valeur. Alors, je vous dis, c'est le troisième décan. Hein, bon, le premier sera suffisamment occupé avec Jupiter et Saturne. Le second, bon, ce sera un petit peu neutre. Et le troisième, alors vraiment un feu d'artifice avec ce Mars qui vous entraînera peut-être à faire une fête pour la famille, des fêtes de fin d'année un petit peu exceptionnelles. Bon, tout va dépendre évidemment de ce que nous diront les autorités. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Que ce soit Noël, Hanouka ou évidemment la nouvelle année. Je vous attends sur le 3210 ou sur rtl.fr, voire sur le site du Figaro TV Magazine. Excellent mois de décembre !